Bonjour à tous. Salut tout le monde. Les étapes de transition sont souvent un peu trop. On se retrouve pour la deuxième étape du critérium de Dauphiné. Elles peuvent parfois secouer les cadors du peloton. Il faudra donc faire preuve de vigilance, notamment dans la traversée de la vallée du Rhône, où les courants d'air occasionnent peut-être des risques de bordure. On est en excellente forme aujourd'hui. Landa et Maillot Vert, qui a terminé deuxième de l'étape d'avant. On le voit. On va pas partir d'échapper parce qu'on est le meilleur sprinter de l'équipe. On va comme tenter de jouer le sprint, les sprints intermédiaires, peut-être. Parce que Maillot Vert, ça se refuserait pas. Donc, les protections. On va mettre Kirianka en protection de Landa. Voilà. Par contre, toi, je sais pas pourquoi tu protèges Dao, mais c'est bizarre. On roule pas parfait. J'ai envie de dire, limite, viens me protéger moi, mais. Quand même. C'est agité, nouvelle attaque! Il fait partie de ces jeunes du peloton qui veulent très vite se faire un palmarès, mais pour cela, il cherchera plutôt à arriver en solitaire parce que sa pointe. Ils sont 4 devant. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Tous notre barre à fond. Presque sprint 4 pour moi c'est le nombre. Quand tu me dis échappé, quand tu me dis, alors dans une échappée pour toi tu penses à quel nombre? Moi je dirais 4 clairement. Bah là, ça va surtout être bien de jouer ce sprint pour voir un peu le niveau des autres sprints, voir si on a une chance de s'imposer quand même. Ah ouais, on a un champion dans notre équipe, c'est vrai, Sergio Henao. Parce qu'en plus la Colombie a déjà eu ses championnats nationaux. C'est Henao qui l'a gagné. Par contre le contre-la-montre, il est pas dans le jeu parce qu'il a 21 ans. Il a la Sky également. Mais il a 21 ans donc il est pas dans le jeu. Ce qui vient d'arriver à la Sky. Ah, il y a l'autre Sagan. Dégagez. Putain. Ah là 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 là. Ça démarre, ça, elle a bien son champion, son maillot de champion de France. Ah bah ça va, enfin là on est en excellente forme. J'aimerais bien voir qui sont un peu les... Les leaders de chaque équipe, Alberto Contador, ouais, il y a tous les gros. Ouais. Ah, nous, on a juste pas Froome, quoi. Tout le monde ravito déjà. Bah, le rouge surtout. Allez, on va simuler jusqu'à la zone de vent pour essayer du vent. Faut remettre protection par contre. Oh, on va le protéger. Tiens. Parce qu'il est en mauvaise forme. Je crois que ce sont les mecs en mauvaise forme qui protègent, tu vois. Les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elle ne passe pas en entier la télé. Pourquoi on suit Sagan là, tout le temps comme ça là? Le petit en plus. On va se mettre là. Landa, on va voir s'il y a du vent. Tiens, il n'y a pas l'air d'y en avoir trop. Landa, on va lui dire de suivre les attaques. Ça, il sera bien devant. Est-ce que les mecs roulent quand même?
On va pas rouler nous. C'est dans la rue de Rigoberto. Ou de lui. Ah, ils partent devant là. Y a pas de vent, on dirait. Ah, c'est bien attiré quand même. Hein. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Le maillot jaune a été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Il se passera rien. Peut-être dans celle-là. Dans sa roue à lui. Comme ça, on est bien sûr où il est. Il n'y a pas de vent encore. Il n'y a encore pas de vent. Du coup, on va se mettre là-bas. Pointage avec l'échappée, une minute. 10 km de l'arrivée pour la tête, ça va être compliqué. Ok. On va dire à qui est un bon. Enfin, plutôt bon sprinter. Je pense que c'est Nao, mais j'ai pas trop envie, tu vois. On va dire à Kirienka de venir nous protéger. La route Cavendish. Ça pourrait être quelqu'un qu'on prendrait dans une prochaine carrière, hein, Cavendish. Et ça va aller au bout devant là. On va rouler nous. Kirienka va rouler, attends, spécialiste du contrôle de la montre. Oh le max sprint quoi. Allez Kirienka. Tout le monde roule à bloc, mais les mecs devant ils tiennent. Hein. 30 secondes d'avance pour la tête de course. On les voit perdre un peu d'avance. Et on sprint. Je dirais que l'échappée va aller au bout. Ouais. André Greipel. On arrive à battre Greipel. On fait premier du peloton. Comme quoi. C'est vrai que Kwiatkowski, en fait, j'y pense. Mais Kwiatkowski a déjà battu Sagan au sprint. Hein. Bah oh. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Au Milan San Remo de l'année dernière, je crois. Enfin, je sais plus, mais il avait posté un truc. C'était où battait justement Sagan au sprint. Donc c'est Polit qui gagne cette étape. Curvers, Van Emden et nous on fait 4. S'il avait pas eu l'échappée, on aurait gagné. Greipel 5, Matthews 6, Cavendish 7, Colbrelli 8, Christophe 9, Buoni 10.
Sagan 11. Démarre 14. Décevant, démarre. Attends, il était comment une forme hein. Un nouveau excellente quand même, mais un Cavendish en bonne forme, il nous bat, tu vois, sprint. Largement, même en Matthews. Boasson a gagné une excellente forme. On était vraiment le seul meilleur sprinter de l'équipe qui est en excellente forme. Du coup, niveau classement par points, nous nous retrouvons quatrième. Là, ça n'a pas changé. Si là on avait sprinté, enfin, battu échappé, il aurait pu prendre le maillot. Ben, c'est mieux de pas l'avoir le maillot, ben, je trouve. En fait, Yates, toujours maillot blanc. Meilleure équipe, c'est toujours nous. Enfin, c'est toujours, je sais même pas si c'était nous, mais c'est nous. Et Polite aussi, meilleur combatif. Du coup, prochaine étape, ce sera l'étape de Vallon, il me semble, oui. On va commencer le briefing de cette étape. Arrivé au sommet. C'est un parcours usant aujourd'hui, avec une partie finale qui devrait convenir au là, on va essayer de faire gagner Landa, mais aussi, on va peut-être jouer un peu pour nous, parce que c'est une étape. Ça convient à Kiato, ces étapes-là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le like, le commentaire, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve demain pour cette étape. Ciao!